So, entschuldigt den Herr Polizist, der gerade high war. Ich hätte eigentlich froh. Ich wäre wirklich froh, froh, wenn da kein Kahina kommen. Also, wir hatten ausgemacht, dass wir es machen wie all Samstag. Und all Samstag war Musik auf dieser Lautstärke bis los. Und es wird kein gesteuert. Es ist kein Vier und Irsch, den das Vier du gesteuert wird. Es wäre flott, wenn die Irsch könnt genauso verhalten wie die anderen Polizisten Vier und Irsch und das akzeptieren. Es ist schon lange einer froh, die ist wirklich rein technischer Natur. Ja, nee, ich will gerne, dass ihr nicht heiert, dass ihr nicht eine Antwort heiert. Nee. Excusez-moi, il y a, vous avez un... Mais bon, je suis un froid, dass je suis dat Polizei mir lo nicht direkt will rier dann antwort stohlen, weil ich schon ein froh, wann ich manifest muss agieren auf Basis von illegalen und illegitimen Gesetzen. Und ich weiß das. Und ich mache mir trotzdem, obwohl ich eine Remonstrationspflicht tue, und ich mache trotzdem, dann beginne ich dann ein Verbrechen, wann ich illegal Gesetze umsetzen. Ich bin just echt froh, ich wollte just dankbar tun. Mei war es nicht, ich behaupte heute nicht. Mei war Gesetze, eine Kontradiktion stimmt zu international unerkanntem Recht wie der Menschenrechte, die auch das Land unterschrieben hat, zu den Kannerrechten, die das Land auch unterschrieben hat, zur Verfassung, die die Regierung noch nicht gepackt hat, ohne ein Referendum und ohne ein Wissen so weit umzuschreiben, dass man kein Recht damit hat. Sie sind zwar nicht umgangen. Und ohne den kleinsten wissenschaftlichen Beweis, die überhaupt froh könnten abwerfen, ob der Teilkind gerechtfertigt sind, wenn ich dann so manifest illegal und illicit und illegitim Gesetze umsetzen, sind ich dann kein Verbrecher. Aber wenn ich dann ein Verbrecher bin, für was soll irgendein der Bausen, ob Verbrecher oder nicht, mich respektieren, mir folgen, für was? Wenn ich nicht das mache, wofür ich bezahlt bin. Für den Halt vom Volk zu sehen, für den Schutz vom Volk zu sehen, für den Freund und Helfer zu sehen. Wenn ich das nicht mache, weil ich mich einfach an den Befehlen verstoppen, die von manifest unseriösen Politiker kommen, Volksverräter, und ich verstoppe mich just an den Befehl, sind ich da kein Verbrecher. Ich freue mich natürlich. Die könnt gerne antworten. Hier ist das Mikro. Bonjour tout le monde. Samedi dernier, je n'étais pas ici parce que j'étais à Bruxelles pour y porter le message que la Convention des droits de l'homme du Conseil de l'Europe et la Convention des droits des enfants de l'ONU, après ratification, prime les lois nationales et que, partant, les lois Covid sont illégitimes. L'illégitimité devient de plus en plus prononcé avec ce sacré passeport vert que maintenant
le gouvernement du petit grand-duché n'appelle pas de son nom commun, mais ça ne change rien avec ces 3G qu'il élargit à 5G, mais bon, c'est ridicule. Parce que il y a, de l'an 2000, un protocole additionnel de la Convention des droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui a été fait pour préciser l'obligation de non-discrimination. Ce protocole numéro 12, naturellement, a aussi été ratifié ici à Luxembourg par les 60 qui siègent là au premier étage. Bon, c'était pas tout à fait les mêmes, mais bon. Et il y en a quand même certains qui devraient s'en rappeler s'ils l'avaient lu à l'époque. Mais nous savons que les 60 là-haut ne lisent jamais ce qu'ils votent. C'est un problème. Donc, j'ai d'ailleurs invité les chefs de file à aller regarder ce protocole numéro 12. Je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait. Et bon, ils vont donc nous voter ce joli passeport vert. Quand même, à l'Union européenne, il y a des types très rusés. Ils ne s'occupent de rien, les conventions ne valent pas un sou pour eux, mais il faut quand même tenir le peuple un peu tranquille et il faut lui donner quelques bonbons en été, surtout qu'il y a des élections en Allemagne où il s'agit de ne pas avoir trop de gens au Parlement qui sont contre le narratif. Donc, ils ont trouvé l'astuce que si on voyage d'une région verte vers une région verte, on a dans l'espace Schengen besoin que de sa carte d'identité. Vous m'allez demander peut-être, oui, mais c'est quoi une région verte? Une région verte est donc une région où l'incidence 7 jours n'est pas au-delà de 25. Si nous savons que nous avons eu des incidences l'été dernier tournant autour de 10, nous savons que toute l'Europe, même au-delà de l'Union européenne, sera sous une incidence de 25. Nous aurons donc la liberté de voyage en Europe en été. Et en octobre, on recommence tout. Ils sont chiants, les gars, hein? Mais bon, c'est la vie. Et malheureusement, nous n'avons que le choix de les faire tomber ou de voir sans arrêt le même cirque redémarrer en automne jusqu'à l'été et redémarrer encore et encore et encore. Nous avons le choix de les faire tomber. Alors bon, faisons-les tomber. Maintenant, j'ai encore quelque chose de pratique à expliquer. Étant donné qu'il arrive toujours des gens qui acceptent des avertissements taxés, c'est pas bon. Il faut pas les prendre. Il faut dire gentiment aux policiers qu'on n'accepte pas d'avertissement taxé, qu'on va pas le payer. Parce que
Cela se base sur une loi illégitime. Bon, on peut ensuite continuer l'argumentation, mais au moins cela, il faut le dire. Cela fera que vous n'aurez pas d'avertissement taxé, parce que lorsque c'est la loi qui le prévoit, lorsque quelqu'un dit qu'il n'accepte pas de payer un AT, le policier ne peut pas lui en donner un. Et, bon, il demandera votre carte d'identité, notera votre adresse et il sera devant le choix d'oublier ou d'écrire un rapport. Ce rapport est adressé au procureur et jusqu'ici, dans les bureaux du procureur, il y a déjà plusieurs piles de ces rapports. Ça commence avec les 600 de l'année passée, puis ceux de cette année-ci. Et jamais quelqu'un des employés dans ces bureaux s'est donné la peine pour faire quoi que ce soit avec. Ça a le grand avantage qu'on ne paye jamais rien. Et après 2 ans, on ne peut plus rien vous demander non plus. Si par malheur, vous avez accepté un avertissement taxé, vous faites bien d'écrire le plus vite possible au bureau de police qui a établi cet AT que vous ne le payerez pas parce que et bla et bla et bla. Cela fera que votre AT se muera en rapport. Si... Attends, oui, tu racontes après ce que tu veux. Moi, je dis maintenant d'abord ce qu'il y a à faire si on veut le faire intelligemment. Si par malheur, on n'a toujours rien fait, on reçoit de façon automatisée par l'ordinateur après 30 jours un doublement du prix de l'avertissement taxé qui passe de 300 à 600 euros. Si on a attendu jusque-là, on est dans de mauvais draps. Donc, je recommande encore une fois de ne pas attendre jusque-là. Parce qu'alors, on est devant le choix de payer les 600, de dire merde, et l'affaire est terminée. On peut aussi, alors, écrire ce qui aurait été plus intelligent d'écrire avant et de payer à la caisse de conciliation les 600 euros. Dans ce cas-là, on a de fortes chances qu'après 2 ans, on va être remboursé pour les 600 euros. Malheureusement, ce sera sans intérêt, mais on est quand même remboursé. Bon. À bon entendeur, salut. Dites aux policiers que vous n'acceptez pas et c'est beaucoup plus simple. Merci Jean-Marie pour ces instructions très claires et très explicites. Pour juste prouver que ça marche, j'ai 5 tickets qui ne se sont pas transformés en 300 euros. Il y a 5 rapports qui ont été écrits, et le premier en janvier, et il n'y a rien qui suit. Parce que les droits de l'homme, c'est votre argument principal. Les droits de l'homme,
la convention qui a été signée par aussi ce pays prime la loi nationale si la loi nationale est en contradiction. Voilà. C'est-à-dire, ça primerait, si je comprends bien, même notre constitution, si jamais les pays, les politiciens changeraient notre constitution sans notre consentement. On va toujours avoir nos droits de l'homme. C'est-à-dire, à eux tout seuls, ils ne font rien. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Un politicien ou tout fonctionnaire d'État n'a aucun pouvoir que vous n'acceptez pas de lui léguer. On vous a appris autre chose. Mais la légitimité, vous savez ce que c'est la légitimité? La légitimité, c'est le consentement de la société. Et il n'y a rien de plus volatile que le consentement. Le consentement peut être retiré par tout et par chacun à tout moment si il ne se sent plus en mesure de l'accepter. Et c'est cela qui est important. C'est cela qui nous rend souverains collectifs. Je suis souverain. Chacun de vous est souverain. Et ensemble, on est souverain. Si on a plus de la moitié de l'électorat qui demanderait, même par une pétition, peu importe, qui arrive à rassembler plus de la moitié de l'électorat pour demander qu'il démissionne, même légalement, il devrait le faire. On a un tel pouvoir. On ne nous l'explique pas, mais on a ce pouvoir. Si on arrive à rassembler assez de voix, on peut aussi, sans violence, sans chaos, on peut demander la démission. Mais soyons réalistes. On sait bien que nous aussi, on est déjà pas mal. Et c'est pas tous. C'est pas tout. Il y a beaucoup plus de gens qui juste n'ont pas le temps, qui ont d'autres choses qu'ils doivent faire, travailler, regarder après un membre de famille, maladie, peu importe. Et par répression invisible aussi, qui ont peur de perdre leur emploi ou être dénigrés au travail, à l'école ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils ne sont pas ici. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas avec nous, c'est juste parce qu'ils ont peur ou ils ont vraiment quelque chose qui est très important dans leur vie personnelle. Alors, nous, on n'est pas beaucoup, mais on représente beaucoup plus que ce que vous voyez ici. Alors, mais je ne sais pas si il n'y a pas un ménage qui est fait dans les institutions de l'État pour vraiment retirer ces politiciens de leurs fonctions. Je ne sais pas si notre marche pacifique va convaincre les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ont déjà perdu beaucoup trop de la patience, s'ils vont encore croire que nous, on peut y arriver pacifiquement. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, vous êtes tous contents que il y a la relaxation des deux mesures là, hein? Vous êtes bien contents? Allez, on peut manger à l'intérieur à 4 sans se faire tester. Super. Plus de couvre-feu. Génial. C'est super. Ils ont vraiment fait marche arrière, non? Ils sont pliés à la volonté du peuple, non? Ah non? Non? Parce que tout le reste, on le raccroche maintenant à un certificat. Et moi, je ne veux pas de ce certificat. Et pourquoi je n'en veux pas? Parce que ça crée exactement
ce que les politiciens ont juré de ne pas faire. Une division. Une société à deux classes. C'est même un crime politique. Voilà. Et s'il n'y a pas ça comme motivation, mais écoutez, moi, l'État n'a rien à savoir quand je vais manger ou si je vais en boîte ou si je vais boire un verre ou que je fasse quoi que ce soit. Et surtout, on l'entend déjà en Allemagne, il faut mettre sur son CV qu'on est vacciné. Hein. Ça fait une différence. Si vous mettez sur votre CV que vous êtes vacciné, ça fait une différence. Et c'est invisible. C'est pas la faute de l'État, non. Non, c'est pas la faute de l'État. Juste, vous ne trouvez pas de boulot si vous n'êtes pas vacciné. Si c'est ça, si c'est pas ça la discrimination. Et si vraiment ils avaient les arguments pour le vaccin, s'ils avaient les arguments pour la pandémie, y avait-il une raison de faire toutes ces démarches répressives? Est-ce qu'on serait assez à ne pas vouloir obéir qu'il faut vraiment se tenir à une répression pareille? Si on est vraiment si peu, si on les inquiète si peu, pourquoi on doit se battre de samedi en samedi contre toutes sortes de bizarreries? Pourquoi? 600 à 200 personnes, aujourd'hui peut-être on est pas 100, mais en général, ne font pas frémir. Pourquoi alors toutes ces réactions? Pourquoi trois questions parlementaires qui n'aboutissent à rien? Pourquoi des médias qui, sans argumenter, voulaient nous dénigrer de toutes sortes? Pourquoi? Si on a vraiment raison, on peut argumenter, on peut engager dans le débat controversé, on peut faire ça publiquement. Si on a vraiment raison, on n'a pas besoin de référer qu'on est une autorité. On peut référer aux arguments et aux preuves valides. Merci. Voilà. Quelqu'un d'autre veut parler? J'ai été long aujourd'hui. Excusez-moi. Jorgen, mette Charles Goethen. Sind wir Roma? Ich würde ganz kurz einen Erfahrungsbericht geben von dem letzten Weekend zu Brüssel. Das war wunderbar, was ich da gesehen habe. Aber für dich denke ich ganz kurz viel gegriffen. Ihr mal auf Brüssel gegangen sind, haben euch, wie verschiedene von euch auch, die schrecklichen Spieler auf dem Fernsehen nicht. Da gesehen sind die Bilder nicht. Wir haben im Internet natürlich die Bilder gesehen, wie die Polizei an die Leute rangelaufen ist mit dem Pferd, wie sie geknüppelt sind, wie sie mit Pfefferspray attackiert wurden. Und das war schrecklich. Der Weekend für drin war das doch schon zu Amsterdam der Fall gewesen. Ganz schlimm Bilder habe ich da gesehen gehabt, was da am Ausland, am europäischen Ausland, bei den Nobischländern geschieht. Auch Deutschland. Das sieht man furchtbar leid. Weil der sieht ein Volk, was wirklich gequält wird von ihrer Regierung, auch von ihrer Polizei. Ganz schlimm. Aber es ist umgangen, sich etwas zu dienen. Ja. Wir sind umgangen, es klingt so blöd, eine Parallelgesellschaft vielleicht, ja, zu entstehen von Leuten, die sich alle wie gern gesehen, die froh sind, sich rum zu sehen. Das ist ein befreiendes Gefühl. Auch zu Brüssel, das war ein immens befreiendes Gefühl, die viele verschiedene Nationen, europäisch, Mitbrüder, zusammen auf der Straße für gegen die Unmenschlichkeiten, die am Moment geschehen, auf die Straße zu gehen. Aber ganz schön war es, dass Soldaten mittlerweile aufstehen und sich an die echte Linie stellen. Und zwar dieser europäische Friedenskorps, ja? Als Ex-Militär und auch Veteran
war ich immens aufgeregt in Europa und ich werde auch noch meine Uniform undoen für am Ausland zu dem Friedenskorps mitzugehören. Und ich werde auch invitieren, live Polizisten, live Ambulancien, live Soldaten, wenn auch dir es genug gut, stell dich mal an die ich drei, für Eis zu schützen und für ein Zeichen zu setzen. Merci. So, ich finde aber auch noch etwas Kleines, was ich muss lassen, und zwar sind ich auch ein gläubiger Mensch. Und als gläubiger Mensch will ich mich nicht nur an ihr Haut wenden, sondern auch an meinen Papa, den am Himmel. O du oben dem sing Hand, durch die Welt Nationen lied, behit du das letzte Bäuerland, von frierem Joch erlebt. Du sei all als kann er schon, de freie Geist jo gehen. Los vier blinken Freiheitssonn, die mehr so lang gesinn. Los vier blinken Freiheitssonn, die mehr so lang gesinn. Für uns merci, Lützburg. Also mit der Freiheitssonn habe ich auch als Atheist kein Problem. Der Bericht von Breisel, den du gerade war, hat mich daran erinnert, dass ich mich zuhöre, dass die nächste Demonstration über die Grenzen heraus der 27. Juni zu Maastricht stattfindet, am Dreiländereck also. Und das Sonntag. Das heißt, da kommen wir nicht in Konflikt mit unseren Polonaise, da brauchen wir uns nicht zu teilen. Da könnten wir dann zu ein paar mehr als dahin beginnen und ein starkes Zeichen zurück auf Plötzebrech gehen. Das sind 25 Kilometer Männer wie auf Breisel. Also, alles easy. Zeichen der Städte mal schon rot und am Kalender, von mir aus auch schwarz, kring oder blau. Und ja, ich wäre froh, wenn wir da wirklich zu DAX gehen können. Und da sind ich gebürtig in die Geschichte von den Avertissement Taxi auf Plötzebrech zu erzählen. Für das jeder sie verstanden wird. Also, wenn der Polizist sieht, der hat gegen Covid-Gesetz verstoßen und der kostet 300 Euro. Der kriegt auch von mir ein Avertissement Taxi. Da soll er, den kannst du da heilen. Lieber Mann, ich erkenne das Gesetz hier nicht tun. Es verstößt gegen die Menschenrechtskonvention. Und als du wehnt, illegitim, nicht gültig, kann man nicht opposiert gehen. Das ist dann egal, ob die Maske geht, ob man Alkohol an der Öffentlichkeit, in Distanz oder was auch immer, nur mit der Nähe auf der Straße gesehen. Zu viel Leute daheim, bla bla, egal. Sobald er gesund tut, die bezahlt das nicht, die erkennt das Gesetz nicht tun, kann er nicht kein Avertissement Taxi von 300 Euro mehr geben. Da muss ich einen Bericht schreiben, wenn er noch nichts machen kann. Vergiss das. Weil, wenn er einen Bericht möchte, dass er eine Stunde beschäftigt, dann haben wir Jungen weiß, da kriegt der Prokureur. Und beim Prokureur an den Büro, da lege ich schon verschiedene Stapel, 600 der Rapporte aus dem Jahr 2020 an all die, die das Jahr geschrieben sind. Und dort nach kein Substitut sich irgendwie von denen nur geguckt. Und der Grund ist auch eigentlich relativ einfach. Die Richter vom Tribunal de Police, die sind mit ihren normalen Führerscheinsaffären schon so etwas von überlegt, dass sie auch dafür gut keine Zeit haben. Wow. Damit wird dann die Sache erledigt, wenn sich intelligent behalten wird.
wenn ich nicht so gescheit war, oder wenn ich das nicht wusste, weil, ja, er hat nicht wissen, dass ihr möcht. Und ich tue den dann so einen schönen AT 300 Euro, dann müsst ihr so plötzlich wie möglich in der Polizeibüro schreiben, dass ihr da so ein Ding kriegt, wenn es dem an dem, und ich will aber noch festhalten, dass ihr den nicht bezahlen, weil das Gesetz illegitim ist, weil es versteht, geht Menschenrechtskonvention. Wer denn dann auch schreibt, dass Maske kein Viren zurückhauen oder weder das dann ein Plus. Mehr muss nicht sein, mehr. Das ist immer gut, wer den Mensch schreibt, wer besser ist. Weil, dann muss er den AT zu einem Rapport an der Sache gehen. Tun ein etliche Leute sich von mir an die Richtung beruhigen los und die haben nie mehr etwas davon hören. Also wissen wir, das leidet dann noch beim Substitut um Kaup. Da leidet schon gut. Wenn ihr das nicht möchtet, dann könnt ihr an ein automatisiertes Verfahren von dem Computer nicht gesucht kriegen, innerhalb von einem Monat, das wird bezahlt gehen. Da könnt ganz automatisch streckt der Computer den Siedel aus mit 600 Euro. Und da braucht schon den Sekretärin, das an ein Briefkuvert zu machen. Und da kriegt ihr das. Dann steht dann da drauf, dass ihr zwei Möglichkeiten habt. Entweder bezahlt ihr die 600 Euro, seht den Scheiße dumm gelaufen. Und Zerras River. Eine Möglichkeit, bezahlt ihr die 600 Euro an und kriegt die Konsignation. Und da schreibt ihr das. Weil den hat für drun können schreiben, für das Ganze zu stoppen. Stopp kriegt ihn dann noch nicht mehr, muss ihn dann mal 600 Euro deponieren. Dann war dann allerdings die große Chance, dass Wücke kein Substitut sich ja dumm oder will befassen, hat keine Zeit hat dafür, hat keinen am Tribunal der Polizei los tut, sich dumm oder Fangerin zu verbrennen. Dann passiert nichts. Und da kriegt ihr noch zwei Jahre, wenn die Versteckungsverjährung antritt, da kriegt ihr die 600 Euro zurück überwiesen, ohne Zinsen, mehr kriegt ihr sie zurück. Bon, das ist natürlich mehr einfach, wenn ihr nicht eine Spur beruht nicht auf der Kiste Konsignation, dann ist nicht direkt richtig. Wenn ich geliebt, macht das direkt richtig. Moyen alle goe. Wie geht es? Gut an dir. Wen? Gut an dir. Die sind so schei. Moyen. Moyen. Comment vous allez bien? Comment vous allez bien? Mieux que le temps? Et liberté à nous. Merci à tout le monde d'être venu. Vous êtes tous importants, on est tous importants dans ce combat. Je suis fière de nous tous, de notre courage. C'est Romain, ton nom ? Moi, je suis comme Romain, je suis croyante aussi. Je crois dans le divin, dans le beaucoup plus grand que moi. Et il y a une séparation qui se fait. Moi, je l'appelle la séparation, le 3D et la 5D. Il y a des personnes qui comprennent, d'autres personnes ne comprennent pas encore, c'est pas grave. J'ai une annonce à faire pour le 16 juin. Nous n'avons pas besoin d'être là, tout est OK. J'espère que tout le monde comprend ce que je dis. Donc, des publications qui ont été faites, s'il vous plaît, enlevez-les. La personne n'a pas besoin de nous. Maintenant, pour danser encore, je remercie toutes les personnes qui se déplacent. Si vous avez remarqué, nous avons tous des peurs, c'est normal. Mais les peurs, il faut les confronter, il faut les laisser remonter et voir pourquoi on a peur et les combattre. Moi aussi j'ai des peurs. Je dois aussi les confronter moi-même. Alors tous ceux qui ont fait le flash mob à la Lux Expo, vous avez vu le garde nous avait dit qu'on dérangeait, qu'on devait partir, donc nous sommes partis. Nous avons chanté ailleurs. Bon, la police est venue naturellement. Mais après, si vous avez remarqué, ce qui s'est passé entre nous, il y a eu un échange d'idées.
plein de gens ont eu plein d'idées. Et ça, c'est ce qui se passe quand on confronte ses peurs. On libère des mémoires dans son corps. On a du courage et on devient créatif et on trouve des solutions. Je crois que tous ceux qui étaient là ont remarqué. Il y a une très bonne énergie et on continue dans ce chemin. Puis, moi aussi j'ai peur, je confronte mes peurs aussi. Je ne suis pas habituée à faire ça. Je ne pensais pas qu'un jour je devais venir dans la rue pour me battre pour ma liberté. Moi je veux être libre. Liberté, 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 liberté. Maintenant pour danser encore, le dernier on l'a fait à la gare centrale. Merci à tout le monde, on a eu beaucoup de succès. Plus qu'ici, parce qu'ici les gens ils passent comme ça, hein, ils ne nous voient pas. On n'existe pas, hein, on est d'accord. Devant la gare centrale, plein de gens nous ont vus. Plein de gens ont filmé. Et ces gens partagent aussi. C'était un très bon endroit. Naturellement, nous avons été bien accompagnés. Mais on a eu beaucoup de succès. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui ont le courage et qui viennent danser. Vous comprenez? Oui. Quand on fait du danser, chanter encore. Vous m'entendez? Alors les gens à l'intérieur non plus ne vont pas nous entendre. Je ne suis pas chanteuse, je ne sais pas chanter, je n'ai pas une belle voix. Je chante quand même, je chante pour ma liberté et pour la liberté de la collectivité. Donc élevez vos voix et dansez. On n'est pas des professionnels, on n'est pas payé pour faire ça. On fait ça pour les libertés de la collectivité. C'est partout sur la planète. On n'est pas seul ici. Il y a partout des gens qui se réveillent. Le prochain flash mob, c'est jeudi prochain, 12h30. J'ai fait une feuille ici. Venez marquer des suggestions dessus, des lieux où vous voulez, où il y a un impact. Mettez vos idées dessus. J'ai le mettre là sur le caddie en dessous du parapluie. Donc, c'est jeudi 12h30. On garde Saturday for Liberty et les danser encore, on va les faire les jeudis 12h30, sauf exception. Si vous voulez faire d'autres actions, quelqu'un avait proposé de se mettre devant les écoles et de faire des actions le matin, on peut faire d'autres actions encore pour réveiller les gens. Chaque action est la bienvenue. On peut toujours se déplacer à un endroit ou à un autre. Pour le prochain danser encore, la fois passée on avait une banane pour la banane république. On va prendre notre masque. Nous les femmes, on peut les mettre sur les seins. Jamais sur mon masque, hein. Parce que le soutien-gorge, hein, quand on l'a pas. Les seins tombent, donc on va faire tomber les masques maintenant. Les messieurs, vous pouvez le mettre ici, je sais pas. Costume d'Adam. Donc avec le masque la prochaine fois. On va encore décider de l'endroit après. J'ai ouvert un compte sur Telegram, je n'ai pas encore l'expérience, donc laissez-moi un peu de temps pour m'y repérer dessus. Et je vais le faire comme d'habitude, SMS, le flyer par mime et par Telegram aussi. J'ai une autre... J'ai une autre demande, je parle à beaucoup de fonctionnaires et tous me disent la même chose. Ils ne peuvent pas parler. J'ai parlé à un chauffeur de bus, il pense à peu près la même chose que nous ici. J'ai demandé de venir témoigner, il m'a dit c'est pas possible. J'ai dit venez avec un masque, qu'on vous reconnaisse pas, il m'a dit c'est pas possible. Ça, je risque mon travail. Beaucoup de gens sont dans cette position. Moi je propose à ces gens, j'ai encore une autre personne ici qui m'a dit, elle voit des personnes tomber dans les pommes au centre de vaccins, elle n'est pas prête à venir au micro. Si vous avez des informations importantes, vous pouvez venir avec un masque. Si vous voulez un drap pour vous cacher, faites ça. Vous avez encore une autre option, faites des vidéos. Cachez votre visage, faites-les dans le noir, parlez s'il vous plaît. Nous, on va les diffuser. C'est très important de partager et de donner la vérité aux gens. Merci beaucoup. Juste un petit détail.
si vous avez vraiment un problème et que vous devez rester anonyme, alors la vidéo est préférable. Parce qu'Indra ici, si la police vient pour vérifier vos coordonnées, vous devez l'enlever. Vous devez obéir aux agents de police. Même s'ils se rendent coupables en effectuant ou en enforçant des lois illégales où leur statut de policier devient questionnable, mais à part si vous voulez vraiment ouvertement désobéir aux forces de l'ordre, vous ferez mieux de faire des vidéos pour garder votre anonymat. Voilà. Ich wollte mal so, denn Jean-Marie hört ja schon als Atheist gesagt, dass hier kein Problem hat mit der Freiheit, sondern ich bin abstutischend, ich bin ein gläubischer Agnostiker, und ich habe auch kein Problem, weil und Freiheit gelebt ist. Solange kann mir wissenschaftlich beweisen, dass ich die Recht tue, auf mich selbstbestimmung, auf mich Freiheit, und auf mich Freiheit selber zu denken, holen ich mir die Freiheit und die kriegt sie just über mein Leich. Ja. Und Karin, du bist das super. Ich will das nicht so. Du bist das super. Ja. Okay. Ja, quelqu'un d'autre qui voulait payer. Ah, voilà. Les femmes d'avant. Moyen allegue. Moyen. Hallo. Also, ich mache einen Aufruf am Namen von Maître Nuria Iturralde, einer Fakultin, die alle zu Bosch mittlerweile ein bisschen bekannt ist, weil sie nicht fährt. Ich meine, für dich auf Lützebüsch und noch ein Kehr auf Französisch. Sie sieht ganz dringend dieses Weekend nach Personal aus dem Sektor Sanitär. Das ist Infirmieren, Aidsoignanten, Kinäen, alles, was der Spitäler schafft, und Altersheime, Pflegeheime, was auch immer. Es geht darum, einen Prozess auf der Cour de Justice von der Union Europäenne, von einer italienischen Fakultin, die sich alle Länder durchschließen, für das die Leute, die auf der Erbisch Druck gemacht kriegen, für sich impfen zu lassen. Dass diese schon alle können melden, für dass man die Autorisation, die ja eigentlich schon eine Notzulassung ist, dass man die vom Tisch kriegen. Voilà, wir brauchen nicht viele Leute, wenn wir für Lützebüsch schon 5-6 Leute hätten, die gehen mitgehen. Die brauchen nicht zu fährten. Es geht nicht gegen den Employer, es geht nicht gegen die Stadt Lützebüsch, es geht wirklich gegen die Zulassung von der Impfung auf europäischem Niveau. Und es wäre schön, wenn Lützebüsch mit dabei wäre. Also, melde ich. Ich habe den Link mit der E-Mail-Adresse von der Apokotin, wo ihr euch könnt melden, beim Peter auf der Facebook, um Facebook-Profil gepostet, beim Jean-Marie um Facebook-Profil, und also in der Gruppe von Saturdays for Liberty. Das ist auch bei mir. Das mache ich dann noch. Voilà, da fand ich die E-Mail-Adresse, weil das ein bisschen schwer wenn ich das Buch da wäre. Maintenant en français, peut-être aussi pour les gens en terrasse, puisque plein de personnels sont des frontaliers, on a besoin de gens qui travaillent dans le secteur sanitaire au Luxembourg, qui ont de la pression par leur employeur au travail pour se faire vacciner. Donc, ayez le courage, il y a une avocate au Luxembourg, Maître Nuria Iturralde, qui va essayer d'entamer une procédure pour le Luxembourg auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce serait super si le Luxembourg pourrait être présent avec les autres membres de l'Union européenne. Donc s'il vous plaît, ayez le courage, c'est pas contre l'employeur, c'est pas contre le gouvernement. Vos noms ne seront pas publics, on sera sur le Luxembourg une petite partie. Hein, les noms, ils seront vraiment en bas de la liste, hein. Il n'y a pas à avoir peur. Mais ce serait bien d'être représenté, de se montrer. Il ne faut surtout pas accepter la pression de se faire vacciner pour son travail. Hein? Donc, c'est en fait pour arriver à annuler l'autorisation
de ce truc appelé vaccin, mais en fait qui est un expériment sur l'humanité. Merci beaucoup. Donc l'adresse email de l'avocate, vous la trouvez sur Facebook, sur le profil de Peter Freitag, Jean-Marie Jacobi, dans le groupe Saturdays for Liberty, et bientôt Alliance de la Lumière. Voilà. Merci. Merci, Diatane. Tu peux le venir. Moin alle guten, mein Numas, Papois, Konrad. Anders wollte ich nicht mehr so, wir sind alle Menschen, aber wir müssen akzeptiert gehen. Auch an der Schule. Auch an der Schule, das nervt schon mit der Maske, Mann. Wir müssen ein bisschen als Beruhigen. An der Xavier Battle muss ein bisschen Motivation gehen, weil sonst kann ich nicht weiterleben. Merci für den Courage, Peter. Wir sind. Du wirst lachen, aber wir sind schon ein paar Samstiger. Wir haben es nie vergisst. Aber wir haben viel, auch und ihr gedacht, weil wir wissen, dass dir nach viel mehr schlimm, wie Leute auf der Arbeit, die vielleicht können independent sind, die vielleicht hier nicht einen Chef können sind, oder die vielleicht gerade einen Job tun, wo sie keine Maske haben, dir droht mehr lang den Tag Masken, wie die meisten auch wissen. Weil wenn die Erwürsten an Pause gehen oder wenn sie an Matzes Pause gehen, dann können sie sich auswählen, sie auszutun. Dir, wenn dir aus der Schule rausgeht, dann muss er an den Bus und dann muss er das Ronnison halten. Für den ganzen Trajet. Dir sieht am meisten gestroft mit den Masken. Noch viel mehr wie mir Erwürstner. Und ich bin immens dankbar, dass du mal für die Anna, die ihnen doch so geht wie dir, dass du für die geschwart hast. Das ist für uns auch immens wichtig, dass wir wissen, dass dir auch nicht der Meinung sieht, was an den Medien publiziert wird. Dass wir es wirklich nicht für nicht aussetzen, dass wir recht tun, dass es dir steht. Das ist furchtbar wichtig für uns zu wissen. Vielen merci. Voilà, une petite anecdote maintenant en français. Peut-être ça intéressera aussi la police. Je viens de remettre il y a, je pense, 2 jours, ou 3 jours, je ne sais pas, une petite lettre ouverte au procureur d'État. Parce que, jusque maintenant, vous savez, mes 5 tickets à 300 se sont juste transformés en rapport et il n'y a plus rien qui est suivi. Mais quelqu'un d'autre a eu ce fameux ticket à 600 €. Et l'exécution de cette procédure de 600 € constitue l'enterrement de l'état de droit ici. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Il dit que vous pouvez contester si vous donnez vos coordonnées, si vous mettez une explication motivée. Et maintenant, vient le truc, si vous consignez 600 €. Et c'est là le problème. Vous n'avez pas le droit de voir un juge, de contester, si vous n'avez pas 600 €. On n'est plus tous égaux devant la loi. Si vous êtes pauvre, vraiment pauvre, vous êtes à la rue, vous êtes un immigrant qui vient juste d'arriver, vous êtes un asylant, vous êtes, je ne sais pas, vous vivez à la rue, oui, ou vous êtes comme moi, vous êtes tout juste pas à la rue, mais vous possédez rien, vous n'avez plus les mêmes droits à vous défendre devant la loi. Et ça, c'est un principe profond qui a été violé, qui doit être inviolable dans un état de droit. Et je ne parle même pas encore de démocratie, juste d'état de droit. Je suis moins que les autres qui ont ces 600 €. Ja, das ist echt.
Voilà. Et ça, si rien d'autre devrait vous chagriner, si maintenant il ne vous chagrine pas que des personnes plus fortunées ont plus légalement, je dis pas légitimement, légalement plus de droits que vous, c'est quoi la prochaine loi? C'est quoi? Vous devez avoir de l'argent pour peut-être, vous devez gagner un certain salaire pour du tout être au Luxembourg sauf pour travailler? Ah non, ça c'est déjà le cas, j'ai oublié. Parce que le logement avec la pénurie des ressources, il va encore exploser. Il est déjà explosé en 2020, quand il y avait la crise, l'immobilier a explosé. Cette année-ci, il va exploser encore plus parce qu'il y a une pénurie de ressources, des matériaux. C'est super. Les prix explosent, mais les emplois se perdent, les salaires se gèlent, les sociétés ferment et les prix de l'immobilier explosent. Et qui gagne? Qui s'est enrichi? Il y a les banques qui ont fait des superbes années en 2020, ça choque personne. Il y a la bourse qui fait des super gains, ça choque personne. Et on a plein de gens qui sont devenus plus pauvres, ça choque personne. Il vous faut quoi? Vous pensez, parce que vous gagnez pour le moment assez bien, que vous n'êtes pas concerné par la crise, parce que vous avez de la chance, vous n'avez pas été licencié et vous gagnez encore assez bien. Vous pensez que si l'immobilier continue à exploser, vous allez encore vivre au pays? Vous serez tous frontaliers. Il n'y aura seulement que des riches et des super riches ici, et pour le reste, vous êtes des frontaliers, parce que vous ne pouvez plus vous permettre d'habiter au pays. Une petite anecdote. Ma mère vient de recevoir un appel de TNS, il reste ce matin. Et imaginez quoi, ce qu'ils demandent. Ils font un recensement d'opinion. Comment les gens perçoivent la politique et les politiciens. Bon, pour moi ça a été assez rapide. Tous ceux que je ne connaissais pas, je déteste. Je trouve qu'ils sont incompétents et je ne les aime pas. Et seule exception, les gens que je ne connaissais pas. Je ne pouvais pas en juger, il faudrait rester bien joli. Ils se soucient comment je perçois leur politique de logement. Ouais, c'est exécrable. Ils se posent la question comment je trouve leur politique de garder la paix sociale. Mais je trouve ça exécrable, ils ont créé une nouvelle division. Punaise! Ici, à la manif, on est de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les idéologies politiques. Je vous dis, vous avez votre opposé comme idéologie politique ici aussi. Mais ça ne fait rien. On est tous pour la même chose ici. Et on ne se dispute pas, rien du tout. On laisse ça de côté. On est unis. Toute religion, toute nationalité, toute idéologie confondue. On a réussi ici ce que le gouvernement et les politiciens en général devraient faire. C'est d'unir le peuple. D'unir le peuple. Et pas de créer de nouvelles divisions à tour de bras. Ici, on n'a pas de racisme. On n'a pas de discrimination entre nous. Mais on est discriminés quand même. Parce que si jamais on ne s'imposerait pas, on n'aurait pas recherché nos droits, on n'aurait pas compris nos droits, on n'aurait pas recherché les informations que ce gouvernement et ce parlement refusent de nous donner, on n'en saurait rien. C'est pas... excusez-moi, mais il faut que j'arrête maintenant. Mais en tout cas, j'ai demandé au procureur d'État de déclarer toutes les mesures et surtout la procédure
de 600 euros, nul et non avenu, illégal, illégitime. Car s'il ne le fait pas, ou si la justice ne le fait pas, elle sera complice d'avoir tué l'état de droit. La justice, comme système actuel, se prouverait profondément corrompue. Et on a entendu dans des nouvelles que même un président des juges du tribunal refuse de faire valoir des plaintes contre le gouvernement. Je me pose la question, si c'est encore une question que la justice est corrompue jusqu'à la moelle. Bonjour à tout le monde, bon après-midi. Alors nous avons eu un témoignage intéressant tout à l'heure avec madame qui disait qu'elle entendait beaucoup de fonctionnaires, de chauffeurs de bus et de choses comme ça qui sont convaincus mais qui n'osent pas témoigner. Ce qui veut dire que le mouvement que nous menons est efficace. Et souvent c'est comme ça, on n'est pas très nombreux, on reste pas très nombreux pendant longtemps, on a beau continuer, on se dit il se passe rien. Mais non, beaucoup de gens, petit à petit, réfléchissent, sont convaincus, et un jour ça sort. Et alors d'un seul coup c'est très rapide. Mais donc il ne faut pas se décourager, il faut continuer, on convaincra les gens petit à petit, même si ça ne se voit pas tout de suite. Alors j'ai une autre nouvelle qui est peut-être moins amusante. Il paraît que vous n'avez rien dans la tête. Et moi non plus. Oh, c'est sûr. C'est pas éparé, c'est sûr. En passant tout à l'heure avec le cortège, en arrivant ici, j'entends une dame qui explique « Oh, ces gens-là, pas de masque, liberté, ils n'ont rien dans la tête. » Alors madame, j'espère que vous êtes encore là et que vous m'entendez, parce que si je n'ai rien dans la tête, je voudrais vous expliquer pourquoi je n'ai rien dans la tête. On nous a dit au début, l'OMS a fait un beau rapport en début 2020, disant que le masque n'était pas utile, qu'il n'y avait pas de raison de l'imposer à tout le monde, que le masque avait des inconvénients. La porte-parole du gouvernement français expliquait que le masque n'était pas du tout nécessaire, que même il était dangereux et qu'on ne devait pas en mettre. Bien. Ensuite, quand les gouvernements imprévoyants ont réussi à s'approvisionner en masques, ils ont décidé que le masque était nécessaire, indispensable et devait être porté partout et qu'il était dangereux de ne pas en mettre. Alors je dis à cette dame... Pourquoi est-ce que je n'ai rien dans la tête? Et vous, qu'avez-vous dans votre tête? Si ça vous paraît logique, moi, ça ne me paraît pas logique. Alors, on a appris que au début du mois de mars, M. Abbott, le gouverneur du Texas, a décidé qu'à partir du 10 mars au Texas, toutes les règles sur le Covid, port du masque et autres, étaient arrêtées. Le docteur Fauci, qui était aux États-Unis, qui est encore le conseiller de la Maison Blanche sur les affaires de santé, a tout de suite prévenu que c'était criminel et catastrophique et que le Texas connaîtrait une vague de morts épouvantable. Beaucoup d'autres politiciens ont dit la même chose. Monsieur Abbott ne s'est pas démonté. Le 10 mars, on a arrêté toutes les règles et on n'a rien vu. Après un mois, on a fait les bilans et le nombre de cas d'infection par jour a été divisé par deux, le nombre de morts aussi, et tout va bien au Texas. Donc ça, c'est quand on en a parlé, c'était fin avril. Nous sommes fin début juin, je n'ai toujours rien vu dans la presse disant que ça allait mal au Texas. Alors donc, on a enlevé les masques, on a tout enlevé, et tout va bien. Moi, je me pose des questions sur les règles sanitaires qu'on nous impose. Alors, autre sujet intéressant, l'année passée, au début des infections, on a dit « Oh, ça vient de Chine, de Wuhan », et un certain nombre de gens ont dit « Mais il y a un labo là-bas qui fait des expériences, etc., ça doit venir de ce labo-là. »« Oh non, surtout pas, ça n'est pas possible, les Chinois sont des gens sérieux, ça n'existe pas, vous êtes des complotistes. » Et en 2-3 semaines, on n'en a plus parlé. Bon, il se trouve qu'il y a une ou deux semaines,
le président Biden a décidé d'enquêter sur la possibilité que le virus vienne de ce labo-là. Et maintenant, aux États-Unis, il y a une commission d'enquête, et on dit qu'effectivement, ça peut venir de là, et c'est sûrement très sérieux. Je ne sais pas qui n'a rien dans la tête, mais moi, ça ne me paraît pas logique, ces façons de gérer les choses. Alors, prenons encore un autre exemple, parce qu'il y en a tout le temps. Au début, on a parlé de l'efficacité ou non de l'hydroxychloroquine. Ah, l'hydroxychloroquine, non, c'est un médicament qu'on utilise depuis 40 ans, qui a été employé chez des centaines de millions de personnes, mais attention, c'est dangereux, il faut ne pas utiliser cette chose-là. Et rapidement, il y a une étude qui a été publiée dans la revue The Lancet, qui est une des grandes revues médicales, disant qu'on a toutes les preuves, c'est épouvantable, c'est très dangereux, il faut l'interdire tout de suite. Il n'a pas fallu une semaine et demie pour qu'on voit que cette étude était complètement fausse, que les données venaient de n'importe où avaient été imaginées et que même le journal s'est plus ou moins excusé de ça, pour un journal soi-disant médical, sérieux. Bon, il y a eu aussi une étude Discovery qui devait prouver que ça ne marchait pas et qui était enterrée et qui n'a jamais rien prouvé. Et aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine d'études répertoriées qu'on peut trouver qui expliquent qu'il y a un effet de l'hydroxychloroquine. Alors, où est la logique ? Par contre, les autorités avaient au début dit qu'il fallait utiliser le remdesivir, qui est un médicament fourni par un grand labo pharmaceutique. L'Europe a acheté des millions de doses. Ça nous a coûté extrêmement cher, pas loin du milliard, je crois, mais ça, je ne suis pas sûr. Et puis, à peine on les a versés, on a dit « Ah oui, mais attendez, on va peut-être pas, on n'est pas sûr, il y a peut-être des effets secondaires. » Et j'ai vu, il y a 3 jours, une étude qui vient de sortir, disant que le remdesivir, effectivement, causait des problèmes de brachycardie dans un nombre de cas suffisamment significatif, et que donc, en tout cas, ce qu'on reproche à l'hydroxychloroquine, on l'a prouvé pour le remdesivir. Comprenez ce que vous voulez. Les gens qui disent qu'on n'a rien dans la tête, j'aurais du mal d'être à leur place. Alors maintenant, parlons aussi d'autre chose. Il y a des arguments qu'on nous ressort et on a parfois un peu de mal à répondre. Ah mais monsieur, vous ne mettez pas le masque, vous mettez la vie des autres en danger, vous mettez ma vie en danger, vous n'êtes pas solidaire, vous n'êtes pas responsable. Madame, est-ce qu'il vous arrive parfois de rouler en voiture ? Jamais ? Alors très bien. Si vous roulez en voiture, vous mettez en danger la vie des autres. J'ai un ami, il roulait en voiture, il était prudent, il ne buvait pas, etc. Il a eu une panne mécanique, une de ses roues s'est à moitié détachée, il s'est écrasé sur le mur d'une maison le long d'un trottoir. Il m'a dit, il y aurait eu un gosse qui était là, je le tuais, je ne pouvais rien faire. Donc quoi qu'on fasse, quand on roule en voiture, on met en danger la vie des autres. Mais comme on est habitué, on trouve que ça c'est bien. Il y a d'ailleurs un tas d'autres choses qui mettent en danger la vie des autres. Tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup de baisses de consultations médicales pour toutes des choses comme le cancer, par exemple, suite au Covid. Ces gens-là vont se retrouver avec des cancers plus tardifs, on ne pourra pas les soigner et il devrait en avoir un certain nombre qui vont mourir. Et ça, c'est la conséquence des politiques du Covid. J'ai lu il y a une semaine à peu près qu'il y a un organisme de l'ONU qui a remis un rapport disant que, à cause de la crise du Covid, la crise économique, mais qui est due en bonne partie aux mesures qui ont été prises par le gouvernement, il y a 100 millions de personnes dans le monde qui sont passées d'un état normal à un état de pauvreté. 100 millions de personnes. Et quand on dit pauvreté, c'est quoi ? C'est moins de soins, moins bonne alimentation et toujours plus de morts, particulièrement chez les enfants. Donc, les politiques gouvernementales mettent en danger la vie de certaines personnes. Alors évidemment, c'est peut-être dans des pays africains, en Asie, ça, on ne les voit pas, ça ne nous concerne pas. Et nous, nos petits vieux, on s'occupe d'eux, mais ça met en danger la vie des gens. Alors on nous a beaucoup parlé avec l'histoire de réchauffement climatique et autres. Ah, l'avenir de nos enfants, il faut préserver nos enfants, il faut s'occuper de nos enfants. Quand on leur fait mettre à tous des masques dans les écoles, qu'ils ont mal à la tête. Quand avec les politiques scolaires, on va à l'école, on n'y va pas, bon, le Grand-Duché, c'est pas trop mal débrouillé dans l'affaire, mais il y a des pays où il y a beaucoup de décrochage scolaire. C'est l'avenir des enfants qui est mis en danger. C'est aussi des choses dont on ne tient pas compte. Tous les pays qui se sont endettés énormément, ces dettes, on va devoir les payer un jour, ou bien on va avoir un effondrement des monnaies, on va avoir des gens qui vont se retrouver dans la pauvreté. Ben, la pauvreté, même chez nous, ce sera la même chose. C'est aussi mettre en danger la vie des gens.
Donc, dire que ne pas mettre le masque, c'est mettre en danger la vie des gens. Si ne pas mettre le masque et refuser des règles dont on ne sait pas si elles apportent quelque chose permet d'avoir une vie économique normale qui permet aux gens de vivre normalement, eh bien, ça n'est pas mettre en danger la vie des gens. Il faut réfléchir. Et nous réfléchissons. Alors, je voudrais terminer sur une dernière chose. C'est que j'ai entendu récemment un argument, quelqu'un qui disait « Ah oui, le pass Covid avait... » Ah non, non, monsieur, vous n'êtes pas d'accord, vous dites que vous n'en voulez pas, mais le pass Covid, c'est quand même pour la liberté. Grâce à ça, je peux faire des choses en plus. Ah, ça, pour retourner un argument, c'est quand même beau. Il y a un an, je faisais ce que je voulais, j'allais au restaurant comme je voulais, on m'a dit « Ah monsieur, on vous supprime toutes vos libertés, vous ne pouvez plus le faire. » Aujourd'hui, on vous dit « Ah, vous donnez un ticket, vous devez vous inscrire, vous devez vous vacciner, etc. » Et vous pourrez de nouveau aller de temps en temps au restaurant, c'est la liberté. Eh bien non, ça n'est pas la liberté. J'ai d'ailleurs cette semaine vu au moins deux fois des titres, c'était dans l'essentiel, disant « Ah, les nouvelles mesures qui nous rendent la liberté ». Et on doit être content et dire merci au gouvernement. Ben non, on ne lui dit pas merci. On n'aurait jamais dû nous les prendre. Et donc le minimum, c'est qu'on nous les rende et qu'on nous les rende toutes. Alors sur un petit exemple qui peut-être, bon, va peut-être choquer un peu les gens, mais c'est quand même vrai, quand on dit « Ah, le pass Covid, c'est la liberté ». Ben oui, il y a un certain nombre d'années, dans un pays qui s'appelait l'Union soviétique, si on prenait sa carte du parti, on pouvait faire des choses que les autres ne pouvaient pas faire. Et on dit que c'était un régime de liberté alors. Il y a même un peu plus avant une époque où un pays distribuait des étoiles jaunes, et selon qu'on les avait ou pas, il y avait des choses qu'on pouvait faire ou ne pas faire. C'est la liberté ? Et alors une petite maxime que j'aime bien, quelqu'un a dit quand même, du moment que vous devez demander quelque chose, ce n'est pas vraiment libre. Même si on a un droit de manifester, on doit demander chaque fois, est-ce qu'on peut aller manifester? Et le pass Covid, c'est ça, on va vous dire, vous pourrez tout faire. Oui, mais on doit le demander, donc ça n'est pas vraiment la liberté. Merci à vous. Juste petite précision, nous, on ne demande pas de manifester. Oh, parce que on est là, ici au Luxembourg, on est bien. On a juste une obligation de déclaration, pas d'autorisation. Ils ne peuvent pas nous la refuser. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Parce que on ne nous autoriserait pas. Regardez ça. Vous pensez qu'ils nous autoriseraient? Avec Madame Do. C'est même pas vrai. On a une autorisation pour tous les amis. Jusqu'au 10 juillet inclus. Oui, mais de toute façon... Madame la maire a dit qu'elle ne voit pas d'opposition. Et je veux bien qu'elle a écrit que nous devons tenir nos distances et porter des masques. Mais bon, hein, on s'en fout un peu. Et elle nous a interdit effectivement d'entrer là-dedans. Ok. Mais de toute façon, leur autorisation, comme il n'y en a pas besoin, c'est du vent. Voilà. Ja, hallo. Mein Name ist Marita, ich bin Psychologin